Dolphins. Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu UEFA Champions League saison 98-99 sur PS1, sorti aux alentours au cours de l'année 1999 et quelques, édité par Silicon Dreams et publié par Eidos, le même studio qui a produit les jeux Tomb Raider. Hein, et vous l'aurez compris, il s'agit d'un bon petit jeu de foot bien old school, bien, bien stylé, bien dynamique. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à un petit match. Bien, je me demande quel genre de match on va lancer. Alors, l'autre fois, on a lancé 4 matchs. Il y a eu 3 matchs nuls et une défaite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah tiens, on va prendre les Hollandais de l'Ajax Amsterdam. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme adversaire? Faut dire qu'il y a tellement. Il y a vraiment du choix dans ce jeu. Il y a vraiment du choix. Oh. Ah tiens, oui, Sturmgraz. Oui, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Plus ça tombe. Sturmgraz qui est un club autrichien de première division. Ah bah, je le savais pas. Donc, c'est parti pour ce petit match entre les Hollandais de l'Ajax Amsterdam et les Autrichiens du Sporting Club de Sturmgraz. Graz qui est une ville autrichienne assez populaire, qui est d'ailleurs le lieu où Arnold Schwarzenegger a vu le jour. Et voici donc à votre gauche le légendaire club de l'Ajax Amsterdam, dont l'ancien club un de nombreux, comment dirais-je, joueurs légendaires de la sélection néerlandaise a emporté les couleurs du maillot, comme Johan Cruyff, etc., etc. Bon, là, ce que vous voyez, donc, c'est l'équipe du Sturmgraz qui joue en noir et bleu. Oui, ok, noir et bleu. Et voici donc les joueurs de l'Ajax Amsterdam qui jouent avec leurs couleurs traditionnelles, le blanc et le rouge, qui, se dit au passant, me fait penser à celui de... celui de... Comment... Ah oui, du club anglais d'Arsenal. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans hollandais et autrichiens, ainsi qu'une dédicace aux supporters de l'Ajax Amsterdam et du Sturmgraz. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. On va s'intéresser tout de suite au match. Bon, je vais essayer de mieux jouer parce que l'autre fois, je me suis pris une défaite cuisante lors du match Bayern-Munich et les Croates du Dynamo Zagreb. Sur une victoire assez étriquée, à savoir 2-1. Alors, et on va essayer de voir si on pourra mieux jouer parce que là, pour les matchs précédents, j'ai fait un petit peu de la merde. Mais il faut dire que le jeu, franchement, il était vraiment pas simple. Attends. Attends, est-ce que ça... Attends. Oui, une tentative un petit peu désespérée. Bon, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Hein. Donc, excusez-moi par avance. Donc... Donc, ce jeu met en scène la Ligue des... le cadre de la Ligue des Champions de la période de la saison 98-99, qui était remporté d'ailleurs par les Anglais de Manchester United. Et j'essaierai de voir si je peux vous proposer d'autres matchs sur ce jeu, parce que mine de rien, le roster est pas mal. Attention, oh, attention, est-ce que... Ouh, joli! Joli arrêt du gardien Edwin van der Sar, ce qui déclenchera un corner pour les Autrichiens du Sturmgraz. Oh là, attention, parce que là, il faut faire attention à cette équipe du Sturmgraz. Ils sont un petit peu redoutables. Comme je viens de vous le dire, c'est une équipe qui a vraiment, fait sensation dans les années, dans le championnat autrichien de football, dans les années 90 et 2000, qui a remporté aussi le championnat et la coupe d'Autriche. Attention, est-ce que... Ouh, joli arrêt réflexe. Et le gardien a fait vraiment ce qu'on peut appeler des prodiges pour l'arrêter. Voilà. Maelisch. Kuzic. Alors, je crois que si je me souviens, il y a quelques joueurs autrichiens célèbres qui ont porté les couleurs du Sturmgraz. Je crois qu'il y avait Maelisch, il y avait
Foda, il y avait aussi. Comment il s'appelle celui-là déjà Vastitch. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Maelish. Et le ballon ne sort pas. Ok, on continue. Oui. Attendez, on va se faire des petites passes. On va faire des petites passes. Voilà. Parfait. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, 0-0 entre l'Ajax et le Sturm Graz. Bon, et c'est la mi-temps. Bon, bah, c'était vraiment une mi-temps, mais assez dynamique. Alors, 51 à 49% de possession. Pour l'instant, c'est les Néerlandais de l'Ajax qui mènent le jeu. Et sans plus attendre, on va s'intéresser de suite à la deuxième mi-temps. Allez. Donc, je rappelle le score 0-0 entre l'Ajax Amsterdam et les Autrichiens du Sturm Graz. Bon, je vais. Bon, je sais pas pourquoi, mais je vais voir si j'arrive vraiment à marquer. De toute façon, je ferai le tout pour le tout, comme on dit. Attends. Attention, parce que là, pour l'instant, c'est les Autrichiens qui s'approchent dangereusement. Des cages de Néerlandais. Attention, 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 attention. Ouh, je l'ai dévié, 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 dévié. Et qui va être récupéré par un des joueurs de l'Ajax Amsterdam. Ah, dommage, je voulais. Le ballon est de nouveau repris par les Autrichiens. Attention, est-ce que. Wouh, joli! Joli, 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 joli. Et joli arrêt du gardien. Si je me souviens bien, c'est Edwin van der Sar. Ah, super. Oh, ah non, ça, non, 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 mince, j'ai pas, j'ai encore perdu le ballon. Attendez, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Oh, attention, ah mince, ah zut, je voulais faire le. Oh, attention, oh, il y a pas hors-jeu, il y a pas hors-jeu, il peut pas, non, attention, attention, non, c'est bon, non, c'est bon, il y a pas pénalty, il y a pas pénalty, il y a pas pénalty, il y a pas pénalty. Oh, attention, aïe, 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 ok, j'ai commis une faute, et j'avoue, j'étais un petit peu trop fort. Donc, premier carton jaune pour les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Bon, ok, j'étais un petit peu fort, et alors? Bon, en tout cas, premier joueur averti. Côté de l'Ajax. Alors qu'il va y avoir un coup. Alors qu'il y a un coup franc pour les Autrichiens du Sturm Graz. Voilà. Je redoute le pire. Je redoute le pire. Je redoute le pire. Non, c'est bon. Ce combat est une vraie boucherie. C'est bon, c'est bon. Il va le récupérer, il va le récupérer. C'est bon, il l'a récupéré. Il a. Attendez, on va faire des. Allez, on va les mettre en pression. Voilà. Vitch. Voilà, oui. On continue à faire des passes. On fait des passes. Voilà, GG. Attends, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Il a eu. Attention, attention. Là, c'est but. Là, c'est but. Là, c'est but. Non, dommage. Oh, j'y croyais. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Attention, est-ce que. Non, encore raté. Non, dommage. Oh, mais et là, les Autrichiens sont sous pression. Ils sont sous pression, les Autrichiens.
passe. Je voulais faire une passe à un de mes joueurs, mais il y a un des joueurs autrichiens du champ de grâce qui l'a capté. Zut. Allez, récupérez le ballon s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, est-ce que oui? On récupère le ballon, très bien. Allez les gens, on continue. On n'abandonne pas. Attends. Oh, il y a faute! Mais il y a faute, monsieur l'arbitre! Oh là là, et comme par hasard, l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Oh là 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 là. Bon, allez, ce coup-ci. Attention, attention, attention. Est-ce que... Non, ça passe juste à côté. Oh là là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Eh, je vous jure, j'essaie tant bien que mal de me donner à fond, mais c'est impossible. Alors attendez, je vais voir si je peux faire un petit changement. Voilà. Je vais juste remplacer un de mes joueurs qui a été averti. Parce qu'il est sous la menace d'un carton jaune. Bon, à la limite, s'il y a match nul, à la limite, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, ça prouve que je me suis mais donné à fond par rapport au match précédent. Hein. Oh oui, oh oui. Allez. Allez, on n'abandonne pas. Ah mince, ah, je l'ai encore perdu. Oh zut. Aïe, 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 oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah zut, 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 ah, je l'ai encore perdu. Non, c'est bon, c'est bon, je l'ai récupéré. Je l'ai encore perdu. Je l'ai encore perdu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. On se calme. On se calme. Tout va bien. Allez, attends, est-ce que, attends, là cette fois, non, ah là 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 là, excusez-moi, mais je suis tellement sous pression qu'il fallait que je prenne un énorme risque, je suis désolé par avance, Allez, touche pour les Néerlandais de l'Ajax, alors qu'on va assister vite fait au changement, donc c'est... celui qui a été averti tout à l'heure, qui s'appelle Vitch, si je prononce bien son nom, qui va être remplacé par Melchiot. Melchiot, si je me souviens bien, je crois qu'il a joué aussi dans un club anglais, je crois que c'est Chelsea ou c'est... Je sais plus. Enfin, peu importe. Allez. Dernière chance pour les Néerlandais pour espérer... Espérer, comment dirais-je, se donner à fond et espérer marquer ne serait-ce qu'à la dernière minute. Rappelez-vous du match contre l'Atletico. Attention. Non. Mais non, mais monsieur l'arbitre, il y a faute là. Oh là 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 là, mais que le merde. Bon. Ok. Et encore un autre match nul. Eh ben, mesdames et messieurs, c'était vraiment trop dur, c'était vraiment trop dur. En tout cas, c'était vraiment un match à sens unique. Et donc, pas de vainqueur entre l'Ajax Amsterdam et les Autrichiens du Sturm Graz, qui sont quasiment mais neutralisés, tellement qu'il y avait personne n'a essayé de marquer. Mais il y a eu des occasions, il y a eu pas mal d'occasions. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était donc... Le cinquième test sur le jeu UEFA Champions League saison 98-99 sur PS1 ou PlayStation 1, ça dépend comment on l'appelle, édité par Silicon Dreams et publié par, et produit par les studios Eidos, le même studio qui a produit les jeux Tomb Raider, un jeu de foot mettant en scène la Champions League, très old school, très vintage, très dynamique, à tester. Sans modération. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici, Amsterdam, Hollande, à vous Paris. Oh, et puis tant j'y pense.